Et bien dans mon salut aujourd'hui, on est là pour parler d'une vidéo très importante. Je sais que je dis ça à chaque début de vidéo, mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo sur un sujet qui vous intéresse. Et oui, parce que vous êtes des milliards à me poser cette question-là, ouais, même si vous n'êtes pas des milliards d'abonnés à regarder mes vidéos, évidemment. Mais vous êtes, on va dire, 90% sur la chaîne à me demander ça. On va évidemment parler des bots, slash hacks, slash tutos, slash vidéos sur Pokémon Go. Voilà. Déjà, je reviens d'une absence de 40 jours, de 4 mois, au moins, je crois. Donc 4 mois, c'est long. Et ma dernière vidéo a fait 8000 vues, 9000 vues. C'est très bien déjà, hein, 8000 vues pour un retour. C'est ok, moi je suis ok, je signe tout de suite. Hein. Mais il y a un souci. Il y a au moins 80-90%, comme je le disais, qui demandent dans les commentaires « Oui, Luigi, quand est-ce qu'on va avoir un bot ou un truc comme ça ?» Voilà. Donc moi, je vous le dis, aujourd'hui, il existe encore des bots, voilà. Le titre n'est pas mensonger, il existe encore des bots. Mais les bots sont pas trop sécurisés, donc c'est la merde un peu, vous pouvez vous faire ban. C'est bien, mais c'est nul un peu, voilà, c'est la loose. Alors là, je voudrais insister sur un point très important, non pas sur le fait que j'ai changé de t-shirt, parce que j'ai rajouté ça 2 semaines après, mais sur le fait que tous les hacks sur les Poképièces sont des arnaques de près ou de loin. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Rien qu'hier, ou avant-hier, je sais plus. Donc j'étais sur YouTube, vous savez, je fais du Pokémon Go, c'est pas un secret pour personne d'ailleurs. Donc je fais du Pokémon Go, donc YouTube me propose des vidéos sur Pokémon Go. Donc là, je vois une vidéo, comment avoir des pièces sur Pokémon Go illimitées. Donc là, je me dis, moi je sais que ce genre de vidéo, c'est une arnaque. Je me dis, c'est une nouvelle vidéo, comment ça se passe? Bon, je vais aller voir. Voilà, je clique. Alors, comment fait la personne? Donc moi je me disais qu'il allait au moins cacher son arnaque, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc la personne arrive, il présente genre son site web. Oui, voici un site web, entrez votre nom d'utilisateur. Voilà, vous entrez votre nom d'utilisateur, entrez le nombre de pièces souhaitées. Donc vous entrez le nombre de pièces souhaitées. Évidemment, ça ne marche pas, n'y allez pas dessus. Donc il rentre tout ça, et là, il y a un formulaire qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce formulaire? Parce que voilà, il y a un formulaire qui arrive, ça peut être un bon formulaire, voilà. Alors là, sur le formulaire, il y avait plein d'abonnements à des services inutiles pour téléphone. Vous savez, les pubs qui passent, recevez un fond d'écran gratuit, et tout en bas, il y a écrit abonnement payant 25 € la semaine. Voilà, ou bien, vous savez, les pubs genre, recevez une sonnerie gratuite, ou bien recevez Doodle Jump, parce que Doodle Jump, c'est terrible. Hein. Quand moi, je regardais encore la télé, il y avait cette pub 24 h/24, genre, waouh, le jeu phare du moment, Doodle Jump, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, machin truc, gratuitement. Et en bas, il y a marqué abonnement, genre 25 € la semaine, voilà. C'était la même chose, mais c'était un truc genre pour des lampes torches, je crois. Genre, pour recevoir une lampe torche gratuite sur votre téléphone, alors que vous pouvez vraiment l'avoir gratuitement sur le Play Store ou bien l'App Store, hein, là... Vous devez rentrer votre numéro de téléphone, donc vous leur donnez votre numéro de téléphone, et là ça vous inscrit à un service d'abonnement qui coûte 4 € la semaine. 4 € la semaine, les gars. Voilà. Donc le mec il s'explique, oui, ne vous inquiétez pas, je gère la situation, 4 € la semaine, il suffit d'envoyer stop au SMS de confirmation que vous allez recevoir ou bien d'aller dans votre espace client et vous désabonner. Mais mon gars, t'as cru que tu t'abonnes et tu désabonnes? Ils vont pas te prévenir? T'as cru que c'était qui? Genre, ils prennent ton argent, ils partent, hein. Donc là, je me dis, ce mec prend vraiment les personnes pour des cons. Du coup, moi, je regarde la barre des pouces verts et des pouces bleus. Il y a quand même, genre, 90 000 vues dessus, hein. Donc, j'étais pas bien. J'étais là, il y a trop de personnes qui sont arnaquées, là. Il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. Genre, après, bon, je rajoute dans cette vidéo. Donc, la barre des pouces bleus et des pouces verts, il y avait moitié-moitié, à peu près. Il y avait moitié de pouces bleus et il y a moitié de pouces rouges. J'étais là, bon. Là, il y a quand même des gens qui se sont rendus compte que c'était une arnaque. Voilà. Je descends dans les commentaires. Il n'y avait que des commentaires positifs. Alors là, vous allez me demander comment ça se fait. Bah, pourquoi il n'y a que des commentaires positifs? C'est très simple. Bah déjà, vous pouvez acheter des commentaires, vous pouvez poster des faux commentaires. Et il suffit de supprimer tous les mauvais commentaires. Voilà. Comme ça, il ne reste que les commentaires positifs. Et comme de par hasard, le mec, vous savez, il y a maintenant une fonction fave qui fave les commentaires des personnes dans la vidéo et qui met ce commentaire tout en haut. Le mec, il favait tous ces faux commentaires, il supprimait tous les commentaires qui disaient que c'était de la merde, évidemment. Donc, ne croyez pas ce genre de personne, ne croyez pas ce genre de cheat, ce genre de hack, ça ne marche pas. Alors, il existe aussi une autre semi-arnaque concernant les Poképièces. Alors, pourquoi je dis semi? Parce que c'est pas vraiment une arnaque. Mais bon, c'est tout comme. Donc, y a d'ailleurs plein de personnes qui m'ont proposé des partenariats sur ça à l'époque, hein. Genre, je recevais plein de mails disant « Oui, Luigi, on a vu que tu faisais des vidéos sur Pokémon Go qui marchaient bien. Est-ce que tu voudrais faire des partenariats avec moi ?» Il y a plein de personnes qui l'ont fait, des youtubeurs connus qui l'ont fait. Donc, c'est quoi le principe? Le principe, c'est vous téléchargez une application. Sur cette application, vous pouviez avoir des crédits. Avec ces crédits, vous pouvez
échanger ça contre de l'argent sur PayPal ou bien de l'argent sur Pokémon, donc du coup les Poképièces. Alors comment on faisait pour obtenir les crédits? Il fallait soit cliquer sur des pubs, soit télécharger des applications sur le Play Store ou l'App Store. Donc là, vous dites, c'est simple, c'est trop bien. On peut générer de l'argent réel en téléchargeant des applications ou bien en cliquant sur des pubs. Alors là, il y a sûrement une douille, parce que je dis que si je dis que c'est une semi-arnaque, c'est qu'il y avait une douille. Voilà. Donc la douille, c'est que, bah, de base, de 1, il y a un palier. Donc il y a un palier, vous ne pouvez pas retirer votre argent à 1 euro. Généralement, c'est soit 10 euros, soit 15 euros, soit 20 euros. Bon, ça, je sais pas, je ne vais pas vraiment regarder les applications. Voilà. Donc il y a très peu de personnes qui atteignent les paliers. Donc tous ceux qui font genre 5 euros et qui se barrent, bon, tout leur argent qu'ils ont généré, bah, c'est dans la poche de celui qui a créé l'application. Et pour les rares qui atteignent les 20 euros, bah, si vous gagnez 20 euros, le mec il gagne 2000 euros. Non mais vraiment sans déconner, hein. Vous savez pas le prix de chaque clic sur les pubs. Donc voilà, moi déjà j'ai le seum parce que vous générez de l'argent pour un mec et vous galérez pendant 6 mois. Honnêtement, je pense que sur 6 mois vous pouvez même pas générer 20 euros. Voilà, vous pouvez aller tester. Parce que je sais qu'il y a ces applications pour le PSN, là, ces applications pour PayPal, ces applications pour les Poképièces, pour tout. Mais en 6 mois, je pense que vous pouvez générer, bon, 20 euros quoi. Genre 6 mois de téléchargement d'applications ou bien de clics sur des pubs. Des fois, c'est des applications avec des malwares et des trucs comme ça qui peuvent infecter votre portable. Bon, si vous téléchargez sur l'App Store ou bien le Play Store, il y a moins de chances, mais il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours des applications infectées sur le Play Store et aussi sur l'App Store. Faut pas croire. Voilà. Moi, j'utilise un iPhone tous les jours. Je peux vous dire que, voilà, des fois, faut faire gaffe quand même. Donc, voilà pourquoi je vous dis d'éviter tout ce genre de trucs. Genre, tout ça, tous les trucs sur les Poképièces, évitez. Pour les hacks sur les portables, vous savez, les joystick hacks, là, vous pouvez vous déplacer et tout en trompant le GPS, tout ça. Ça existe encore et ça marche très bien. Mais, je vous le dis, aujourd'hui, tout de suite, annonce à attention, ça tourne mal. Attendez, il est où mon hand spinner? Il est où mon hand spinner? Alors, je n'ai pas retrouvé mon hand spinner, mais je trouvais mieux. Regardez, se mettre à mesurer, qui fait un maximum de bruit. Regardez, comment c'est drôle. Non, c'est de la merde. Donc, qu'est-ce que je disais avant cette connerie? Donc, oui, explication. Alors, il y a toujours des hacks sur téléphone, joystick, qui marchent très bien, sans ban, tout ça, sauf si vous faites n'importe quoi, vous téléportez aux États-Unis tout ça avec. Mais, je ne ferai plus de vidéos dessus. Alors, avant que vous quittiez la vidéo, évidemment, parce que tout le monde va se barrer. Ne payez jamais des gens pour ça. Voilà, c'est totalement gratuit partout. Donc, cherchez un peu, vous trouverez. Faites gaffe au virus, hein, protégez-vous, sinon vous allez tomber enceinte d'un virus. Hein, et c'est beaucoup moins drôle. Donc, voilà, hein, bah, vous pouvez partir maintenant. Donc là, maintenant, je vais commencer les explications pour les deux personnes qui restent. Alors, si j'arrête les tutos, c'est pas parce que Pokémon Go se casse la gueule ou bien les vidéos marchent moins bien, tout ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. Pokémon Go. Certes, Pokémon Go a perdu 80% de joueurs actifs, mais je crois que c'est dans la dernière vidéo de Topito, il disait aussi genre, oui, Pokémon Go, c'est oublié et tout, mais il y a quand même 10 millions ou je ne sais pas combien de millions de joueurs actifs tous les jours. Voilà, c'est un jeu qui marche encore très bien. Là, parce que j'y joue encore tous les jours, hein, les gars. Donc, j'y joue tous les jours pause midi quand même, hein, genre une heure. Voilà, c'est la dèche. Mais je joue quand même une heure par jour, donc je marche, hein, je me balade, je mange entre-temps. Et... Je viens de tuer le micro et je vois encore beaucoup de joueurs. Alors pourquoi j'arrête? Si ça marche, si tout est bien, bah il y a un souci. Déjà, bah ça m'ennuie, évidemment. Je sais pas pourquoi je m'étire comme ça, voilà. Mais ça m'ennuie les tutos. Parce que ça m'ennuie de dire tout le temps la même chose. Je suis là, à chaque vidéo tuto, cliquez ici, téléchargez ça, avec une voix suave et douce évidemment. Téléchargez ça, veuillez cliquer ici, évitez là, cliquez ici, activez ce logiciel, machin. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde a un téléphone différent. On n'a tous pas le même téléphone. C'est pas français, ça. On n'a pas tous le même téléphone. Donc, il y a toujours des soucis. Donc, je suis là, service après-vente. Allô? Service après-vente, bonjour. Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est vous qui faites le service après-vente? Oui, ça marche pas. J'ai compris. Ah, oui, j'ai compris. Là, je viens de prendre une voix totalement raciste. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, c'est déjà deux choses. Et la troisième chose, c'est que cette communauté, je sais pas pourquoi, spécialement, cette communauté-là, genre donc les 80-90% des gens qui insistent, hein, genre dès que je fais autre chose, c'est pouce rouge, into, insulte dans les commentaires. Alors que, quand je fais une vidéo
tuto, bah, il me vénère comme un dieu. Donc, voilà, moi, je voudrais plutôt avoir une communauté moins extrême, tu vois. Genre, il n'y a pas de vénération, mais il n'y a pas de « je te défonce », tu vois. Donc, une communauté plutôt au milieu. Donc là, déjà, je viens de perdre 90% de mes abonnés. C'est cool, non? Voilà. Donc, maintenant, je vais annoncer un vrai projet. Non, pas un vrai projet. Un nouveau projet. Parce que, vous le savez sans doute si vous me suivez sur Twitter, parce que je suis actif sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Twitter, voilà, on faut dire les choses importantes trois fois. Donc, si vous me suiviez sur Twitter, j'ai un nouveau PC, j'ai monté un nouveau PC. Je peux pas vous le montrer parce qu'il pèse à peu près 10 tonnes. Voilà, il y aura une photo qui va pop là. Très belle tour que j'ai monté moi-même avec l'aide de Ado. Hein. Ado Power, suivez-le sur Twitter. Vous pouvez lui spammer « Est-ce qu'on peut mettre ça dans ce PC? Est-ce que ça marche ?» Tout ça. Il connaît plein de choses, donc spammez-le. Non, spammez pas, hein. Posez-lui des questions gentiment, il va vous répondre. Alors si vous êtes intéressé par les composants de mon PC, allez dans la description, je mettrai tout, parce que là, cette vidéo, c'est pas fait pour parler de ça. Alors, pourquoi j'ai acheté un nouveau PC? Eh bien, c'est pour streamer le soir, quand je m'ennuie, ou si je vous montrer quelque chose, je streamerai. Voilà, voilà, streamer, parce que streamer, c'est un autre exercice, et ça m'amuse. Parce que streamer, il y a de l'interaction avec le chat, même si au début, je vais voir deux viewers. Voilà, mais il y aura quand même de l'interaction avec deux viewers, je m'en fous. Interaction avec deux viewers, voilà. On se parlera, on boira une bière, pas du tout, on boira pas de bière. Mais on fera des trucs, on fera des trucs. Et ça va m'amuser, parce que les tutos, certes, ça fait des vues, ça fait de la thune, mais ça m'amuse pas, voilà. Et finalement, dans 20 ans, qu'est-ce que je dirais à mon petit-fils? Alors, ton papa, bah, il était en train de faire des tutos sur Internet, en train d'apprendre à des gens, non, voilà. À la limite, pourquoi pas faire des vrais tutos, genre des vrais tutos, c'est-à-dire. Genre, là, y penser, voilà, des tutos genre sur la vie, genre sur les neutrons, MDR. Non, j'ai pas assez de connaissances pour faire ça, les gars. Évidemment, ça ne veut pas dire que je vais arrêter toutes les vidéos sur YouTube, parce que je me suis aperçu que j'avais pas précisé ça pendant le montage. C'est pour ça que j'ai un t-shirt différent. Vous voyez que j'ai un t-shirt différent et qu'après, je vais encore changer de t-shirt, parce que là, ça va être calé au milieu. Donc, je n'arrête pas toutes les vidéos. Je vais sûrement soit changer de concept, soit changer sur un jeu plus facile à filmer, parce que Pokémon Go, faut soit sortir pour filmer, ou bien soit faire des tutos chez soi. Donc, vu que les tutos m'ennuient, il faut que je sorte. Mais vu que je termine vers 19h30 ou bien 20h30, on dit pas 20h30, bah je ne peux pas sortir. Parce que filmer à 20h30, il n'y a pas de lumière, hein, ça marche pas. Une caméra sans lumière, faut savoir que ça marche pas. Parce que là, regardez, tac, hop, j'éteins la lumière, c'est dégueulasse. Vous me voyez pas, voilà, déjà que je suis un peu jaune, là c'est full jaune. Donc ça ne marche pas. Donc, pour filmer du Pokémon Go, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'il faut trouver un concept que je peux faire chez moi. Je rentre, je fais ça chez moi, je filme, je fais un peu de montage, pourquoi pas. Et là, je le poste pour vous. Pourquoi pas ne pas mettre des best-of de mes streams, des rediffusions de mes streams, si c'est intéressant. N'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires, parce que en ces temps de changement, eh bien, c'est vous qui avez le choix. Ne revenez pas 3 mois plus tard dire « Oui, voilà, les changements, fallait les faire comme ça. » C'est comme le droit de vote. Hein. Une fois que vous avez voté, enfin, ou que vous avez voté ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Bah, il n'y a plus le choix, hein. vous avez choisi. Si vous choisissez le silence, ne vous plaignez pas après. Donc vous pouvez le dire dans les commentaires. Alors, qui dit stream, dit programmation. Je streamerai tous les jours du lundi jusqu'à jeudi, de 9h jusqu'à 23h. Voilà, ça c'est le début, on verra, on changera après. Sauf aujourd'hui, c'est exceptionnel, je commence un peu plus tôt. Donc, voilà. Alors, sur quel jeu je vais streamer? Parce que ce sera des jeux, parce que sur Twitch, il n'y a que des jeux. Sinon, c'est des filles en IRL, je suis pas une fille, je peux pas aller en IRL. voilà, j'ai rien à montrer, les gars, donc c'est mort. Donc, va falloir trouver autre chose. Donc, sur quel jeu je vais streamer, je ne sais pas. Hein. Je suivant vos avis, je changerai, mais au début, je commencerai par des jeux très classiques. Très classique. Et surtout, bah, je pense que je vais organiser un concours pour mes followers Twitch très bientôt, pour les récompenser de m'avoir suivi. Voilà, pour être des vrais followers, comme on dit. Non, je rigole, hein. Si vous restez sur YouTube, vous êtes des vrais followers aussi. Alors, cette petite vidéo se termine ici. Je vais sûrement prendre très cher dans les commentaires, voilà. Si vous voulez me soutenir, soutenez-moi dans les commentaires, parce que je vais prendre très cher. Surtout, et laissez un pouce bleu aussi, parce que sinon, la barre va être très rouge. Voilà, je le sens, je le prédis. Voilà, je suis pas devin, mais je le prédis. Donc, c'était Luigi à votre service. Pourquoi je fais ça? Complètement débile. Je sais déluge à votre service. À la prochaine sur mon Twitch, peut-être. Ciao.